J'étais complètement dans le noir, dans le désespoir. Je ne savais pas par où commencer, par ouvrir les yeux. Alors je me suis tourné naturellement vers celui-là qui est dans les cieux. Oui, vers mon Dieu, je lui ai demandé comment faire pour sortir de cet enfer. J'ai entendu une voix qui m'a soufflé, Nanachme Ouman. C'est bizarre, je connais ce nom, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Nachman Meouman, ouais, ça résonne encore plus. Je pense qu'il y a quelque chose, je pense qu'il faut que je chante, je pense qu'il faut que je le vise, il faut que je partage avec vous. Rabbi Nachman Meouman, c'est lui le secret de la création. C'est lui toute ma passion, même dans la désespération. Je ne savais complètement rien. J'étais vraiment complètement paumé. Je ne savais même pas comment je m'appelais. Mais maintenant je le sais. Et hier, Rabbeinu Akadosh, c'est toi qui m'as montré ma destinée. C'est toi qui m'as donné le pouvoir de l'esprit.